tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing partenariat avec le site Top Diamond Art. Alors, ce site, c'est un site qui est consacré uniquement en diamond painting et on y retrouve de très belles toiles et je pense qu'au niveau de la qualité, on est un petit peu un level au-dessus de ce que j'ai l'habitude de vous présenter. Les prix sont aussi bien évidemment du coup un petit peu plus chers et on va découvrir justement aujourd'hui ce que ça vaut, comment est composé un petit peu le toolkit, comment est-ce qu'elle est la toile, comment sont les diamants parce qu'en plus j'ai choisi des diamants carrés. Voilà. Alors on est toujours chez ma grand-mère, je me suis installée comme je pouvais, donc on est sur un carton de machine à café, parce que du coup c'est une toile qui fait 60 cm par 60 cm. Alors je vais tout de suite enlever mon carton de micro, ça fera déjà ça au moins sur la table. Et j'ai pris ma petite tablette, alors attendez, hop je mets ça sur le côté, on va l'ouvrir ensemble. J'ai pris ma petite tablette que je me suis offerte pour Noël, elle est juste ici. Bon, ce que vous voyez là, c'est juste l'écran de verre qui fait une bulle. Il faudrait que... Vous voyez, quand je fais ça, ça s'enlève et ça revient. Et ça va être super pratique, cette tablette. Pourquoi je vous la montre? Parce que vous allez être amené à la voir. Je vais pouvoir, grâce à la tablette, du coup, faire, par exemple, des tirages au sort de concours. Je vais pouvoir vous faire voir, par exemple, comme là, on va naviguer rapidement sur le site Top Diamond Art pour vous faire voir ce qu'il propose et je vais pouvoir faire mon point de croix compté que j'ai quand même hâte de reprendre. Ça sera pas tout de suite, en plus je l'ai pas avec moi, mais j'ai hâte de pouvoir installer comment ça s'appelle, mon dieu ça me revient plus, l'application pour faire le point de croix, je sais déjà plus comment ça s'appelle, mais je vais pouvoir l'installer et faire mon point de croix tranquillement quoi. Donc c'est une tablette Lenovo, c'est une amie avec qui on parle qui me l'a conseillée et elle est vraiment super top. Je sais plus même plus c'est laquelle. Il me semble que ça doit être la P11 ou je sais plus. Je l'ai payée aux alentours de, elle vaut aux alentours de 300 € il me semble, mais moi je l'ai payée 250 €. Voilà. C'est pour vous, je vous dis ça, c'est pour vous donner une idée, parce que franchement, je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, elle est vraiment tip-top. Je fais des jeux dessus, je vais comme vous voyez sur Google, je vais sur YouTube, sur Netflix, j'ai même fait ma miniature YouTube hier dessus, et c'est impeccable. Alors, je fais pas du tout attention au retour caméra. Voilà, vous voyez, ça c'est le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, donc là justement... On est sur le site Top Diamond Art et ils m'ont contacté, ils m'ont demandé de choisir le modèle que je voulais et ils m'ont pas précisé la taille que je pouvais prendre. Donc moi à la base, vu les détails de la toile, en toute honnêteté, j'avais demandé une 80 par 80 cm au prix de 64 $. Ils m'ont dit que par rapport aux frais de livraison, on va dire, par rapport à la grande taille, ils me demandaient si... Ça ne me dérangeait pas de choisir la 60 par 60. Donc je me suis dit, bon, est-ce que en 60 sur 60, je garde cette image ou j'en prends une autre moins détaillée? Et je me suis dit, allez, je garde cette image parce que j'ai un coup de cœur. Même les, voyez, les deux petits chiens ici, la ville de Paris, le couple d'amoureux. Je l'ai trouvé vraiment très sympa, cette toile. Donc voilà. Alors en 60 par 60, moi j'ai pris exclusivement carré. Et donc du coup, au prix de 53,80 $. Voilà. Sinon, pour regarder un petit peu l'accueil du site, la seule chose qui fait que la tablette est un petit peu longue, c'est pas de la faute à la tablette, c'est de la faute à la connexion internet ici, parce que c'est très long. Pour vous publier une vidéo, pour vous donner une idée, je mets environ 2 à 3 heures, donc pour vous publier une vidéo de 20-25 minutes. Mais bon, c'est pas grave, j'y arrive quand même. Donc voilà, on a des animaux, allez, on va aller dans les meilleures ventes. Et voilà, vous voyez, ça j'adore. Les montgolfières aussi sont sympas. J'aime beaucoup. J'ai trouvé qu'il y avait des très beaux modèles. Voilà, on a des animaux. Bon, ça c'est un peu moins mon style. Mais ouais, il y a des très belles choses. Et du coup, moi j'hésitais entre plusieurs modèles. Bien sûr, il y avait du Disney dans ceux que j'avais sélectionnés. Et je me suis dit, on va... Elle est marrante celle-là. Je me suis dit, on va changer un peu. On va prendre du... un paysage. Voilà. Alors, je ne vais pas pouvoir revenir à celle que j'avais... c'est pas grave, de toute façon, là, on n'a plus besoin de la tablette. Mais voilà, je voulais vous faire voir un petit peu. Je la trouve très sympa, franchement. Je suis bien contente. Et vous avez vu,
Je joue déjà à quelques jeux. Je suis à fond sur ce jeu en ce moment, ce jeu de cuisine où il faut préparer rapidement. Lequel j'aime bien aussi. Bah après, j'ai pas eu le temps d'énormément y jouer, hein. Voilà, j'ai testé celui-ci aussi, eh bien, où il faut chercher les trucs en quête criminelle. Et puis, hein, vous imaginez, j'ai déjà téléchargé Etsy, j'ai déjà téléchargé Pinterest. Et il me manque, bah, je sais plus toujours le nom, hein. Comment ça s'appelle? Bah, l'application de point de croix, ça me revient pas. Mais il faut que je la télécharge aussi. Enfin voilà, allez, on ferme ça. Et puis pareil, hein, j'ai pris écran de verre, bien évidemment, pour pas l'abîmer. Et j'ai pris une protection comme ça. Voilà. J'ai pris un. C'était un lot sur Amazon. J'ai reçu les deux en même temps. Et au moins, elle est protégée. Donc vous serez amené à voir cette petite tablette qui va bien me servir pour ma chaîne YouTube. Allez. Bah c'est parti, écoutez, on va ouvrir le colis. Alors, oh là là, je vais tout casser moi. Je vais rester debout. Je vais rester debout, ça sera mieux. Donc, j'ai reçu ça emballé dans du papier bulle. La livraison a été plutôt rapide, mais bah, ça fait partie hein, des colis qui sont restés des semaines, des jours et des semaines. Donc, je peux plus vous dire le jour, ça fait. Enfin, je peux plus vous dire le nombre de jours pour le recevoir. Mais ouais, il me semble que ça a été plutôt rapide. Mais là, ça fait au moins 2 ou 3 semaines qu'elle est en attente. Donc, j'ai quand même hâte de découvrir ça avec vous. Alors. J'ai pris les ciseaux de compétition. Je vais essayer de ne pas couper dans la toile. Ouh, la toile est juste là, vous voyez. Hop. J'espère qu'au niveau des détails, ça va aller. Alors, vous voyez, au fond, on a les diamants. Enfin, vous ne voyez pas là, mais vous allez voir. Nos diamants, donc ce sont bien des carrés. Oh la vache, la quantité. Et le toolkit. Oh sympa. On n'a plus rien dans notre sac. Alors, allez, on va commencer par le toolkit. Voilà. Il est ici. Bah déjà, on a l'air d'avoir pas mal de petites choses hein, dans ce toolkit-là. Alors, tout est dans un sachet zip. Déjà, on a une raclette. Donc ça, c'est super cool. Même pour ceux qui débutent et qui n'ont pas de raclette, pour bien aligner les diamants carrés. Bah ça sert toujours. Ensuite on a une petite pince en acier. Moi personnellement je me sers pas de ce genre de pince. J'aime bien les noires avec les bouts pointus, mais c'est déjà bien qu'elle soit en acier comparé à une pince en plastique, c'est déjà mieux. Ensuite on a une petite barquette verte. On a quatre pins comme ça. Ah non, ils sont pas divisés. Bah c'est des pins rectangulaires. De cire, donc du coup on en a deux. On a un petit stylet rose avec un multiplacer et une mousse. Donc ça, la mousse, c'est vraiment sympa. Hop, et elle tient bien, elle glisse pas. Vous voyez, ça c'est cool aussi. Donc ça, c'est fait. Et puis pour finir, bah, oui voilà, on a tout simplement des sachets zip. Allez, on va compter combien on en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sachets zip. Hop. Alors, je ne vais pas réussir à bien les remettre, forcément, c'est pas grave. Je vais les remettre comme ça. Hop. 10 sachets zip fournis avec. Voilà pour notre toolkit qui, franchement, je trouve est plutôt pas mal. Allez, si je devrais dire un truc pour ce toolkit-là, on va dire, c'est. Allez, deux choses, si je veux être perfectionniste. Remplacer la barquette verte par une petite barquette blanche à bec verseur et remplacer cette pince-là par une pince noire avec les bouts pointus, ça serait parfait. Mais je trouve quand même qu'il est plutôt complet ce toolkit. Voilà, hop. Allez, je vais le mettre ici. On va découvrir tout de suite bah, la toile. Et ensuite, on verra bah, les diamants. Je ne vais pas les ouvrir. Hein, je ne vais pas m'amuser à compter tout ça maintenant. Je le ferai tranquillement après la vidéo. Mais vous voyez, ce sont des diamants carrés. Bah d'ailleurs, on va regarder les diamants tout de suite, puisqu'on ne va pas les ouvrir. Ce sont des diamants carrés qui ont l'air à première vue bien taillés. C'est vrai que ça veut rien dire, hein, parce qu'on s'en rend toujours compte bah, à la pose du diamant. Comme j'ai déjà dit, hein, les diamants carrés peuvent être plus petits que l'emplacement prévu, ou inversement, hein, ils peuvent être plus grands que l'emplacement prévu. Mais en tout cas, quand on les regarde comme ça, ils ont l'air bien réguliers. J'ai pas l'impression, je vois pas du tout de déchets. Il n'y a pas de petits trous. Franchement, non, ils sont bien les diamants. Et forcément, hein, on a la dose. Là, il y a de quoi faire. Alors, je mets ça ici.
va regarder tout de suite la toile. Alors, toile qui est enroulée et emballée dans un sachet plastique avec un petit élastique ici. Voilà. Tac. Et on a deux autres élastiques, un de chaque côté. Paf. Et paf. Bon, au niveau de l'emballage, tout est parfait. Ensuite, bon, c'est vrai que c'est toujours bien aussi quand on reçoit des toiles dans un papier carton. Mais en fait, ça veut rien dire parce que moi, j'ai déjà reçu une toile dans un papier carton où le carton était défoncé et le bout de toile aussi. Donc là, c'est dans du papier bulle, mais vous voyez, les bouts de toile, souvent, c'est ça qu'on reçoit tout écrasé. Là, ils sont en parfait état. Alors, le problème, c'est que je vais la dérouler et vous n'allez pas la voir en entière. Peut-être faire comme ça. Alors, attendez, on a une vieille décoration ici. Ma grand-mère était famille d'accueil avant et c'est un pot de Nutella, on dirait, ouais, décoré. Enfin, c'était les enfants qu'elle gardait qui avaient fait ça à l'école. Enfin, bref. Alors, je prends ça. Moi, c'est pour maintenir le coin. Il me faudrait peut-être un autre truc. Télécommande. Allez, hop. C'est un peu léger, mais... Alors, c'est très bien enroulé. On sent que ça n'a qu'une envie, c'est de repartir... Alors, voilà, on a une feuille ici, on va regarder ça juste après. Alors, j'arrive pas bien à me rendre compte, on voit un petit peu mieux à la caméra. Alors, ici, on a le couple d'amoureux avec le parapluie, là-bas, c'est les monuments. Il y a des petites choses qui me font peur au niveau du rendu. Oh, ça irait peut-être. Ici, on a les deux bulldogs, enfin, je sais pas si c'est des bulldogs. Les deux chiens juste ici. Ici, je reconnais le banc. Là-bas, on a notre tour Eiffel. Ici, on a notre voiture. Bon, au niveau du couple d'amoureux, du parapluie, du monument, de la voiture, ça va aller. Peut-être que les petits détails, ça sera un peu moins détaillé. Mais je trouve que déjà, en 60 sur 60, c'est déjà une belle taille. Hein. C'est déjà une belle taille. Si vous avez le coup de cœur sur cette image, comme moi je l'ai eu, d'ailleurs, le rappel de l'image est ici, mais alors... Ne vous fiez pas aux couleurs, j'ai bien fait de vous faire voir l'image sur la tablette. Ne vous fiez pas aux couleurs, là tout est rose. Alors qu'en vrai, tout n'est pas rose. Mais vous voyez, si vous avez le coup de cœur pour cette image, vraiment le coup de cœur et que vous voulez absolument la prendre, peut-être partez plus sur du 80x80 comme j'avais prévu à la base. Mais je pense que ici en 60 sur 60, ça va quand même être hyper sympa. Franchement, ouais. On a que 25 couleurs. Donc ça c'est, ouais, bon, on a 25 couleurs, attendez, hop, vous voyez, on a 25 couleurs, bon, une toile comme ça, j'aurais bien aimé 40 couleurs par exemple, mais j'ai déjà vu des beaucoup de toiles avec 20-25 couleurs, où le résultat est très beau, hein. Donc pas d'inquiétude pour ça, vous voyez là-bas, c'est tout le monument, non, c'est très sympa, moi j'aime beaucoup, j'ai hâte de la faire et hâte de voir ce que ça va donner, vous voyez, elle va vraiment être très belle. Puis après, le jaune qu'on peut retrouver dans la tour Eiffel, le jaune qu'on peut retrouver dans la fenêtre, le jaune qu'on peut retrouver dans la voiture. Vous voyez, il y a beaucoup de couleurs qui... C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas énormément de couleurs. Ça va quand même le faire. Alors, au niveau de la toile, elle est... Je ne saurais pas dire si elle est épaisse ou fine. Elle n'est pas hyper épaisse. Elle n'est pas hyper fine non plus. On va dire qu'on est un petit peu entre les deux. Et alors, au niveau de la colle... Ouais, ça, franchement, ça colle super bien. Donc, hâte de tester la pose des diamants, ce que ça donne. Mais ça colle très bien. Je sens que ça va être super agréable. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de diamant carré. Mais ouais, ça va être super bien. Alors, je voulais regarder un autre truc, mais je sais plus c'est quoi. La feuille, oui, mais il y avait un autre truc. Non. Ah oui, bah tout simplement, rapprocher la toile pour qu'on regarde un petit peu l'impression. Oh, c'est bien pailleté tout ça. Regardez, elle est super bien pailletée. Alors, attendez, parce que j'arrive pas à trouver une position bien. Avec les reflets du plastique et de la lumière. Bon, vous voyez, au niveau de l'impression, ça m'a l'air vraiment très bien. Hein. Donc après, c'est comme toute toile qu'on reçoit, il faut vraiment tester au niveau de la pose des diamants. Est-ce que les diamants sont bien taillés par rapport aux emplacements ?
Mais comme ça, en tout cas, les symboles sont bien distinguables. Je sais pas si on dit ça comme ça. Bon, on les différencie bien, on va dire. La toile est pailletée, donc c'est sûr qu'une fois diamantée, on voit plus les paillettes. Mais je trouve ça quand même agréable de voir toutes ces belles paillettes sur la toile. Et puis les cases, les lignes, c'est bien dessiné, non? À première vue, ça a l'air super. Maintenant, plus qu'à tester la pose des diamants. Alors, bon, je vais la laisser, bah, se renroule pas. Je vais la laisser comme ça. Je vais me rasseoir. Hop là. Et on va du coup, bah non, je vais me lever en fait, ça va pas aller assez. On va regarder, donc on a reçu une image avec, vous voyez, tout est dans les tons roses. Donc on voit, hein, le prix est plus élevé, mais à mon avis, déjà au niveau de la pose des diamants, je pense que ça va se voir, je pense que ça va être super agréable. Ensuite, déjà, on le voit, hein, c'est une préparation qui a été faite à la main. Donc tout a été coché comme ça à la main. Voilà, on a nos 25 couleurs, on a nos numéros de DMC juste ici. Attendez, ici. On a le nombre de paquets qui est écrit. Donc surtout, si vous commandez ou si vous avez déjà commandé, vérifiez bien si vous avez bien le nombre de paquets. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'en manquer chez certains vendeurs. Donc vérifiez bien, par exemple, que pour le 152, vous avez 17 paquets. Pour le 160, 20 paquets, etc. etc. Voilà. Et puis ici, on a nos petites, je vais y arriver, instructions. Et je rappelle que c'est une toile en 60 par 60 cm. Peu importe que vous preniez des ronds ou des carrés, le prix reste le même. En tout cas pour cette toile-là. Voilà. Et bah écoutez. Et quand on regarde comme ça, on a l'impression quand même d'avoir énormément de couleurs. Hein. C'est pour ça que je vous dis, je pense, je vois de tout. Je vois des roses, je vois des bleus, je vois des jaunes, des crèmes, des verts. C'est pour ça que je pense que le résultat, il va être super, super sympa. Puis les couleurs ont l'air bien vives. Ouais. Eh bien écoutez, moi je vous ai tout présenté. Ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui, je me rassois un petit coup. J'espère que cet unboxing vous aura plu. Je vous mets le lien de cette toile dans la description. Et surtout, je ne sais pas si je peux revenir sur le site et vous refaire voir le modèle. Attendez. Une dernière fois. Alors déjà, où c'est? Attendez, je vais 2 secondes dans mes mails. Ça vient de mes mails en fait. J'ai cliqué sur le lien de mes mails. Pour le retrouver, donc Gmail, paf, là, voilà, toujours, voilà. Vous voyez, l'image, elle n'est pas rose comme on voit sur le papier imprimé. Elle est vraiment très belle. Hein. On a des super belles couleurs. Hein. Non, franchement, très sympa. C'est pour ça que je vous dis, pour le monument, pour la tour Eiffel, même pour le ciel, regardez le dégradé du ciel. Pour la voiture, tout ça va aller. Par contre, j'ai un petit peu plus peur pour les petits chiens, les petits détails des bouquets de roses, les petits oiseaux. Ça, on verra peut-être moins bien le détail, mais à mon avis, une fois fini et en regardant la toile dans sa totalité, ça va être sympa. Voilà. Et elle va jusqu'à 100. Ouais, l'idéal, ça serait de la prendre en 100 par 100 cm. De toute façon, il faut se dire que une toile avec des détails, plus on prend grand, et meilleur sera le rendu. Hein, ça, c'est sûr. Voilà. Donc, ça ne change pas le prix au niveau des ronds et des carrés. Mais moi, je voulais vraiment vous refaire voir l'image qui est très, très sympa. Eh bien, écoutez, l'unboxing touche à sa fin. Hop. Comme d'habitude, je vous remettrai tous les liens, enfin le lien de cette toile dans la description, le lien du site, pardon, il me semble qu'à ce jour, j'ai pas de code réduction avec eux, mais ça se peut que je sois passé à côté ou ça se peut qu'ils m'en donnent un dans quelques temps. Donc si c'est ça, ça sera dans la description. Et puis bah voilà, écoutez, moi je vous souhaite un bon, quelle journée? Un bon lundi, une bonne semaine, et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!